Shalom la famille, ici votre frère David Izé. Alors je suis là pour vous annoncer une très bonne nouvelle. Premièrement, devinez où je suis. Je suis à Brazzaville et je viens vous annoncer Atmosphère Brazzaville. Atmosphère est connue pour être un programme plein de la présence et de la puissance de Dieu. Ainsi, je crois que la ville de Brazzaville ne fera pas exception. Un moment où les malades ressortent guéris, un moment où la stérile trouve son enfant. Ainsi, je lance un appel à toute ma grande famille de Brazzaville de ne surtout pas manquer ce grand rendez-vous à la source, l'Iziba. Nzela, Nzela, petit palais des congrès. Famille, ici votre frère David Izé. Alors je suis là pour vous annoncer une très bonne nouvelle. Premièrement, devinez où je suis. Je suis à Brazzaville et je viens vous annoncer Atmosphère Brazzaville. Atmosphère est connue pour être un programme plein de la présence et de la puissance de Dieu. Ainsi, je crois que la ville de Brazzaville ne fera pas exception. Un moment où les malades ressortent guéris, un moment où la stérile trouve son enfant. Ainsi, je lance un appel à toute ma grande famille de Brazzaville de ne surtout pas manquer ce grand rendez-vous à la source, l'Iziba. Nzela, Nzela, petit palais des congrès. Bonjour ma sœur. Bonjour. Pouvez-vous présenter aux abonnés d'Instant Plus? Je suis la sœur Ada Betty. Je suis congolaise et je suis artiste gospel. Pouvez-vous décrire votre carrière en quelques lignes? Ma carrière en quelques lignes. Alors, faut savoir que j'ai commencé à chanter depuis l'âge de 13 ans, j'étais à l'école Jim et ensuite je suis allée au Ghana en 2013. C'est là où je suis vraiment rentrée dans le ministère d'abord, avant de rentrer proprement dit dans ma carrière. Et ensuite, arrivée à Dakar en 2019, j'ai été
la présidente de ma chorale. Et c'est comme ça que, avec l'aide de mon pasteur, j'ai été repérée par mon producteur. Et voilà, j'ai commencé ma carrière. Mon premier EP, je l'ai sorti en avril 2023. Donc, ça fait plus d'une année comme ça. Parlez-nous un peu de Sala Lissous. C'est un titre qui reflète la personne que je suis. C'est un titre qui reflète un moment que j'ai passé dans ma vie. Un moment où c'était quand même assez sombre, où j'avais vécu des choses bien auparavant. Mais à un moment, j'ai eu l'impression en fait, que je stagnais et que je n'avançais plus. Donc ma prière vraiment, c'était de dire à Dieu, de faire encore et encore dans ma vie comme il avait fait auparavant. Et voilà, une nuit comme ça, pendant mes moments de prière, ce chant-là m'est venu. Et aujourd'hui, c'est une bénédiction pour moi et pour d'autres personnes. En tant que servante de l'Éternel, quelles sont vos convictions, vos prévisions? Qu'est-ce que je prévois en premier lieu? Je prévois servir le Seigneur jusqu'au bout, par sa grâce. Qu'est-ce que je prévois d'autre? Ma priorité aussi, c'est le gain d'âme. C'est ce que je prévois. Donc, en tant que servante de Dieu et avec le don que Dieu m'a donné, c'est ce que je suis en train de faire. Vous connaissez David Izé? Oui, je connais David Izé. Nous sommes récemment vus à Dakar lors d'un concert qu'une sœur à moi a organisé où j'ai également fait la première partie aussi. Ce dimanche 30 juin, vous serez l'invité au concert Atmosphère Brazzaville de David Izé au Palais des Congrès. Quels sont les sentiments, vos sentiments à vous de partager la scène de ce grand servant de l'Éternel? J'ai un sentiment de joie, j'ai un sentiment de bonheur de partager la scène avec David Izé, mais aussi j'ai une occasion de plus qui m'est donnée de parler encore de Jésus à des milliers de personnes et j'en suis très contente. Sur vos réseaux, nous avons vu que votre public vous demandait beaucoup de chansons. Et qu'attendez-vous de votre public et qu'est-ce que votre public attend de vous? De mon public, d'être là, de venir adorer le Seigneur. D'abord, c'est la priorité. Ensuite, qu'est-ce que eux ils attendent de moi? Bah, c'est comme vous aviez dit, ils attendent de moi que je chante certaines chansons qu'ils aiment bien. Ils attendent de moi que je donne le meilleur de moi et que non seulement ceux-là qui me connaissent déjà, mais ceux aussi qui ne me connaissent pas, que je les amène tous à adorer celui-là même qu'on va aller adorer ce jour-là, Jésus-Christ. Shalom la famille, ici votre frère David Izé. Alors je suis là pour vous annoncer une très bonne nouvelle. Premièrement, devinez où je suis. Je suis à Brazzaville et je viens vous annoncer Atmosphère Brazzaville. Atmosphère est connue pour être un programme plein de la présence et de la puissance de Dieu. Ainsi, je crois que la ville de Brazzaville ne fera pas exception. Un moment où les malades ressortent guéris, un moment où la stérile trouve son enfant. Ainsi, je lance un appel à toute ma grande famille de Brazzaville de ne surtout pas manquer ce grand rendez-vous à la source, l'Iziba. Nzela, Nzela, petit palais des congrès. Vous connaissez Aïno? Oui, je connais Aïno. C'est quoi Aïno pour vous? Aïno, c'est une application mobile qui permet à un individu de trouver des entreprises ou encore de trouver tout ce qui se fait dans l'événementiel. Votre dernier message? Mon dernier message, c'est que j'aimerais inviter tous les amoureux de Jésus à venir célébrer le Seigneur ce dimanche 30 juin 2024. Tous ceux-là qui aiment ma musique, tous ceux-là qui m'aiment bien, je vous invite à venir. Et ceux-là aussi qui aiment beaucoup écouter la musique du frère David Izé, je vous invite à venir. Nous allons célébrer le Seigneur ensemble. Ce sera des moments exceptionnels dans la présence de Dieu. Je vous y attends. Sale, tu nous connais, tu sais qu'on les aime bien, bonne silicone.